Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amours, bonjour mes chéris, j'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, que ce soit pour le général ou pour le sentimental. C'est vraiment un plaisir et je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont vraiment abonnées à la chaîne, que ce soit depuis le début ou récemment. Merci pour vos commentaires chaleureux, merci, merci. Là encore une fois, je vais faire une petite intro. De plus en plus, je vais la faire moins longue parce que je me rends compte que les vidéos, voilà, vu que je parle de pas mal de choses et que je fais des extensions sur mes vidéos, voilà, donc je vais essayer d'accourter un petit peu. Alors, j'avais juste un petit truc à vous dire aujourd'hui, mes belles âmes. Je vais mettre sur la chaîne les ventes des pierres pour les personnes que ça intéresse, tout ce qui va être lithothérapie, que ce soit des pierres par lot de 3 comme ça, ou que ce soit des pierres individuelles, c'est-à-dire qu'il y aura des lots de 3, des pierres une par une, ou alors un bracelet avec une pierre qui va avec. Donc, vous me direz, pour protéger votre maison, pour renvoyer le mauvais œil, moi, généralement, je ne le renvoie pas à la personne qui me l'envoie. Je le renvoie à l'univers. L'univers sait ce qu'il va en faire. Donc, vraiment, il y a les bracelets de tigre contre mauvais œil, les bracelets sur le chakra du cœur, le quartz rose et l'améthyste. Comme vous voyez, cette grosse pierre-là, l'améthyste, vraiment pour apaiser tout ce qui va être angoisse, qui va être pour apaiser aussi bien vous, vos enfants, la maison, les énergies autour de vous que vous sentez un petit peu grappi comme ça sur vous. Donc franchement, je vous dis, moi ça marche, la lithothérapie, et les personnes qui me commandent les pierres me donnent des retours également que ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne et sur mon site, je mettrai les pierres également en photo. Vous allez voir tout ce que, mais il y en a d'autres que je peux pas tout mettre. Donc si vous avez besoin d'une pierre particulière, n'hésitez pas à me la demander. Donc ça, c'est une chose. Il y a autre chose également que je voulais vous dire, mes belles âmes, s'il vous plaît, faites attention, parce que j'ai vu ça chez des consoeurs ou des confrères, je ne savais pas que ça m'arriverait à moi. Il y a des personnes qui viennent sur le site faire des commentaires comme si c'était moi qui devais poser les commentaires. Faites attention. Quand je réponds à vos commentaires, vous savez, de toute façon, vous êtes connectés. Hein, si vous êtes sur cette chaîne hein, de travailleurs de lumière, vous êtes connectés. Vous savez quand c'est moi qui vous réponds. Alors, il y a des personnes qui répondent en essayant de vous amener voir d'autres personnes du site des marabouts. Faites attention. Ne répondez pas à ce genre de message. J'ai vu que j'ai des abonnés à moi qui ont donné suite à des personnes qui leur disaient, ah ben oui, moi je connais, il y a un certain docteur, je ne sais pas qui est venu sur ma chaîne en disant, je suis docteur machin, et, ou alors allez voir docteur tel, il va vous faire récupérer votre mari. Faites attention, il y a des personnes qui sont, il y a des marabouts, il y a des gens qui essaient de vous arnaquer parce que vous êtes en souffrance. Moi, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour vous donner des messages, pour vous apaiser votre cœur. On appelle ça les travailleurs de lumière. Et ensuite, si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous protéger, pour vous apaiser, je peux vous accompagner dans ce sens-là. Mais faites attention aux vendeurs d'illusions qui vont vous dire, moi, je peux te faire récupérer ton mari. Est-ce que le but, c'est de récupérer le mari qui revient et qui n'a pas fait un travail sur lui pour recommencer le même schéma? Non. Parfois, peut-être qu'il y a une séparation qui vous permet, la séparation, ça, quand elle est là, c'est pour vous permettre aussi de travailler sur vous. Ou quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes, ça peut aussi être dans le professionnel. On vous met des épreuves pour faire un travail sur vous. Mais encore une fois, il faut comprendre pourquoi cette épreuve est là. Quand on ne l'a pas comprise, on ne peut pas faire un travail profond. Donc le but n'est pas d'aller récupérer la personne qui est partie. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il y a eu la brisure? Qu'est-ce que je dois travailler par rapport à cette relation? N'allez pas de manière aveuglée parce qu'on vous a dit, ah ben vas-y, récupère ton mari, récupère ta femme, ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'avez pas fait le travail de fond que l'univers vous envoie, vous allez vous retrouver dans les schémas répétitifs. S'il vous plaît, si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est pour apprendre, c'est pour cheminer, c'est pour comprendre ce qui est aller travailler. C'est comme je dis aux gens, ça ne sert à rien de venir au magnétisme chez moi ou chez Nicolas et attendre à ce qu'on vous fasse juste le magnétisme sans aller travailler ce qui est en profondeur. Je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. C'est une forme de guidance que je vous fais, c'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qui est à l'intérieur, une introspection, et puis aller trouver, toucher du doigt le mal. Mais on touche du doigt ensemble, c'est un travail qu'on fait ensemble, vous et moi. Vous voyez? C'est vous et moi, on le fait ensemble. Il faut que vous me donnez la permission de le faire. D'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui donnez la permission de le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous êtes sur cette chaîne, pourquoi? Quelle est la situation qui vous amène sur cette chaîne? Parlons-en. Parlons-en. Allons toucher le mal où il est.
Quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un psychologue. C'était un psychiatre ou d'autres, les travailleurs de lumière qui vont toucher l'âme, l'esprit et le corps divin. C'est ce travail que nous sommes en train de faire ici. Bien sûr, il n'est pas palpable comme on peut toucher les dents, comme on peut toucher les yeux. Mais c'est, ça n'a pas de prix, c'est un travail beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort, parce que l'âme, c'est ce qui vous porte en fait. L'esprit, comme on dit souvent, votre corps habite dans votre esprit. Ce n'est pas l'esprit qui habite dans le corps. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir et ne répondez plus à ce genre de commentaires. Parce que moi, ce genre de commentaires, les gens qui viennent parasiter ma chaîne, je nettoie, je nettoie. Vous êtes là pour que je vous apporte cette lumière. Parce que vous l'avez ressenti à moi, parce qu'on vous a guidé vers moi, vos guides vous ont envoyé vers moi. Alors cheminons ensemble, dans l'amour divin, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime, je vous adore. Et quels que soient les mots que vous avez aujourd'hui, quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, acceptez. L'acceptation de la situation est le début de la guérison. Et une fois qu'on a accepté, on a un cheminement à faire. Et ce cheminement-là, ça peut prendre du temps pour certains. Et d'autres, ça peut aller vite. Donc, soyez patient aussi dans le chemin que vous avez à faire. D'accord? Voilà. J'espère en tout cas que ce n'est pas très long. Et autre chose, une petite dernière chose, s'il vous plaît. Mes belles âmes, je sais qu'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent sur la chaîne et qui m'envoient des messages en me demandant des conseils. Des conseils, quand ils sont dans le sens, le cadre général, je vous les donne. Vous le voyez bien. Mais quand ça concerne déjà une guidance privée, je ne peux pas faire un travail, même si c'est un travail de lumière, j'en donne déjà beaucoup. Je suis là, c'est le don de soi. On est là pour partager, pour échanger. Mais après, comme vous entendez bien, c'est un travail de lumière. Donc, je donne une bonne partie de mon temps, mais il faut qu'il y ait aussi un échange dans la matière. C'est-à-dire que si je vous fais une guidance privée, personnalisée, il y a un échange dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un échange dans le sens où ça doit être pécunier aussi. Pour que moi aussi, je puisse aussi me sentir ancré dans la matière de cette manière. Donc, il y a des gens qui me demandent des guidances privées et qui pensent que ces guidances privées sont gratuites. Ce n'est pas gratuit. Ce que je fais ici, déjà, c'est gratuit. Ça n'a pas de prix. C'est gratuit. Mais si vous voulez une guidance privée, il faut bien savoir que c'est payant. Il y a des personnes qui sont sur la chaîne depuis longtemps qui le savent déjà, mais je pense que c'est plus des nouveaux qui ne le savent pas. Donc, je le dis pour que vous sachiez vraiment que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont des chaînes, qui vont mettre des extensions. Moi, les extensions, je vous les offre, je ne les fais pas payer. Mais si vous venez en guidance privée, effectivement, là, c'est autre chose. On est dans une autre démarche. C'est comme si vous allez voir un magnétiseur ou un thérapeute. Vous allez bien payer quelque chose, ou quand vous allez voir un psychologue, vous allez bien payer quelque chose, mais c'est la même manière. Donc ça se passe aussi chez nous, voilà. Sauf que nous, on est travailleurs de lumière, donc on est dans quelque chose qui va être gratuit d'abord et gratifiant aussi. Et donc c'est le don de soi, donc on le donne parce qu'on l'a donné là-haut, et nous on le partage aussi, voilà. Et si on veut aller plus loin, il faut bien que nous on soit dans la matière, que ce soit chez moi ou d'autres consoeurs, hein, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop long. Je vous embrasse, je vous aime très fort, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite pour les guidances prochaines. Mais le reste des guidances, vous allez voir plus mes mains, parce que voilà, je vais faire les guidances générales pour les 12 signes. Vous verrez que mes mains. Et puis je vous dis un rendez-vous dans quelques semaines pour le sentimental. On fait ça? Voilà. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt. Hello, amis poissons. Voici pour votre guidance du général pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez tous très bien, vous les petits poissons. Alors, dites-moi mes amis, je voulais faire un petit sondage, mes belles âmes. Est-ce que éventuellement il y aurait des personnes qui sont intéressées pour des guidances du féminin et du masculin sacré, c'est-à-dire que les personnes qui sont peut-être dans l'attente du retour d'un être cher et qui veulent savoir un petit peu de manière régulière où en est le lien. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous poste déjà des vidéos dorénavant sur la chaîne? Je ne commencerai que si j'ai vraiment un certain nombre de réponses positive pour que voilà, que je sois au moins sûr que c'est quelque chose qui intéresse ma communauté. Voilà. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre réponse. Ça y est, on va directement pour votre guidance pour le mois de
novembre 2021. Allons-y. Merci les guides, merci d'être là. Holy God, Holy Spirit. Merci Seigneur. Au revoir tes anges, tes guides, nous accompagner pour ce tirage du général pour les amis poissons. Il y a beaucoup de choses à nettoyer là, les poissons. Hein. Il y a des choses à mettre en ordre dans votre vie ce mois de novembre. Ouais, je sens comme ça dans l'énergie. Mais en tout cas, on me dit un grand coup de balai. Waouh! Il y a un grand coup de balai entre les trahisons, le manque d'argent, parce qu'il y a des personnes ici qui ont manqué financièrement. Oui, il y a des choses à mettre en ordre là. Ouais. Allons-y. Merci les guides pour me donner des messages. Ouais. Le 4 de Pentacle, on a vraiment des personnes qui ont été financièrement ici dans une posture délicate hein, chez les poissons. Très délicate. Ça vous a obligé à garder votre sang-froid, d'être dans la tempérance. Et là, je pense que cette fin d'année va vous apporter des réponses, on va dire, dans l'ancrage. Waouh. Ok. Je parle d'ancrage, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Hein. Ouais, ok. Merci les guides. Merci. Donnez-moi les messages de manière posée. Il y a beaucoup de choses qui viennent chez les poissons. Là, il y a beaucoup d'excitation sur vous ce mois-ci. Vous êtes peut-être dans l'attente, vous avez peut-être émis des intentions à l'univers. Et vous êtes pressé de recevoir ce que vous sentez qui vient à vous. Ouais. Alors, on a l'as d'épée. Vous avez vu clair par rapport à une situation. Je vais aller demander quelle est l'énergie qui vient à vous ce mois de novembre avec l'oracle de l'énergie. Merci les guides. Merci pour les amis poissons qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, les guides, des messages concis, précis. Ok, on parle de jalousie. L'ange de l'amour. Repos et ressourcement. Wow. My God. Contrainte financière. On a parlé de contrainte financière tout à l'heure pour certaines personnes. Vous avez été dans la contrainte financière, mes amis poissons, pendant un moment. Et ici, on voit une femme qui tient une pièce de monnaie. C'est-à-dire que pour moi, c'est la fin avec ces contraintes financières-là. Je vais les mettre là, ces deux cartes. Wow. Le guérisseur de tous les temps, ami poisson, est avec vous. Là, on a vraiment l'énergie christique ici. Et chemin du temple, le chemin du temple nous parle également de vos guides, de vos ancêtres, vos guides spirituels qui vous montrent le chemin à prendre ce mois de novembre. Le guérisseur de tous les temps, c'est vraiment le Christ qui vient pour vous guérir par rapport à tout ce que vous avez traversé comme souffrance ces derniers temps. Et là, on me parle de contraintes financières pour certaines personnes. De jalousie aussi, il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous, d'accord? Il y a des personnes qui vous ont apporté beaucoup de jalousie, mais aussi cette carte de la jalousie ici dans les énergies peut aussi nous dire qu'il y a certaines personnes ici qui ne se sont pas rendues compte souvent de ce qu'elles ont comme abondance et qui regardaient aussi ce que les autres avaient. Je ne pense pas que ce soit votre énergie, mais si c'est votre énergie, on vous rappelle ici de laisser ça derrière et de vous contenter de ce que l'amour de Dieu vous donne. Mais je pense plus que certains poissons ont été jalousés ici, dans le sens où ce que j'entends, c'est cette carte-là, c'est ce message, ce que j'entends. Parce que le message de cette carte, c'est ce que ça veut dire, que peut-être que les gens ne se contentent pas de ce qu'ils ont et regardent ce que les autres ont. Mais ici, ce n'est pas du tout ça. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui vous ont jalousé dans votre posture aujourd'hui, dans votre position aujourd'hui, que malgré le fait que vous étiez dans cette posture ici, eux, ils avaient de l'or. Vous étiez avec quelque chose, on va dire, plus quelque chose d'un peu argenté, du gris. Et eux, ils étaient dans l'or. Même malgré le fait que de leur côté, il y avait de l'or, il y avait des fleurs, il y avait des pétales, il y avait le soleil. Et que vous étiez dans cette grisaille ici, ils vous enviaient quand même, ils vous jalousaient quand même. Et ça vous a mis dans un état, on va dire, c'est un dépressif même, parce que vivre autant de jalousie, se faire envoyer des flèches comme ça, de cette manière, ça fait mal. Et donc là, ce mois, on vous demande de vous ressourcer, repos et ressourcement par rapport à toutes ces jalousies, toutes ces énergies négatives qu'on vous a envoyées par envie.
par envie, même malheureusement des personnes qui sont bien elles. C'est ça que j'entends ici. C'est assez incroyable quand même. On vous dit de lâcher prise toutes ces jalousies-là, toutes ces énergies-là. Lâchez prise et reposez vos repos et ressourcements ce mois. Et que ce soit le mois de novembre ou que vous écoutez cette guidance un petit peu avant, ces énergies commencent à partir de cet instant. Je vous fais votre guidance aujourd'hui. Nous sommes, alors à moins que je me trompe, nous sommes le 18 octobre. Je commence les guidances un peu plus tôt ce mois. Donc, que vous les écoutez la semaine prochaine ou que vous l'écoutez pendant tout le mois de novembre, ces énergies vont vous accompagner avant et après le mois de novembre. Repos et ressourcement. On parle de l'ange de l'amour ici avec le quatre rose. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas peut-être suivi dans l'intro, j'ai mis les pierres à vendre. Allez regarder sur mon site. Vous allez voir les photos de pierres. Allez regarder sur mon fil d'actualité également, vous allez voir les photos des pierres qui sont à vendre. Et franchement, ici, on vous invite à utiliser le quatre rose pour amener de l'amour autour de vous. De l'amour en vous-même, déjà, ami poisson, et de l'amour autour de vous, les personnes qui vous entourent ici, de diffuser cet amour parce que vous, vous êtes amour. Regardez comme cette belle, cet ange de l'amour. Vous représentez cet amour-là. Et on vous dit ici, rien que d'avoir le quatre avec vous, le quatre rose ici, ça va émaner cet amour autour de vous, autour de vos enfants si vous en avez, autour de votre hôte si vous êtes avec quelqu'un, autour de vos collègues, autour de votre travail, de votre environnement et même des amis qui vous jalousent. Et ça va leur envoyer cette énergie d'amour parce que pour que les gens soient comme ça, envier une personne qui peut-être a moins qu'eux, il faut qu'ils ne soient pas dans l'amour. Il faut qu'ils soient eux-mêmes malheureux. Ils sont tristes. Ils n'ont pas l'amour avec eux. Parce que s'ils avaient l'amour avec eux, il ne vous enverra pas ces énergies-là. Alors vous, en retour, ce qu'on me donne ici en canalisation, c'est de vous dire de leur envoyer de l'amour avec cette quatre rose. Entourez-vous du quatre rose. Préachetez le quatre rose. Mettez-le sous votre oreiller. C'est ce qu'on me donne ici comme message. Dormez avec ces énergies que vous avez d'amour. Une fois que vous allez l'utiliser, vous allez les émaner autour de vous. Que ce quatre rose prenne votre énergie. Alors, les pierres que je vends, il faut savoir que j'émets des intentions en fonction des personnes qui me les demandent, que ce soit en guidance ou que ce soit en canalisation, qui me les demandent ici, que ce soit en magnétisme, en hypnothérapie ou en guidance sentimentale ou autre. Je mets des intentions, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans le général, j'émets des intentions sur les pierres. Donc, prenez-les et mettez-les sous votre oreiller pour prendre... mettre votre énergie personnelle dans la pierre. D'accord? Voilà, je vais mettre ces trois cartes-là. Ce sont vos énergies. Et on me dit ici, avec l'as d'épée, vous avez vu clair par rapport à toutes ces personnes autour de vous. Vous avez vu clair également par rapport à votre situation financière, ces contraintes financières dans lesquelles vous avez été pendant longtemps. On voit un coffre ici qui est vide. Et là-dedans, il y a deux pièces là. Deux misérables pièces de monnaie. Et il y a même des toiles d'araignée dedans. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont été vraiment dans la souffrance financièrement et ça a été compliqué. Mais regardez qui c'est qui vous apporte aujourd'hui. La guérison. Guérisseur de tous les temps, c'est le Christ. Il va vous guérir. On voit, regardez bien cette carte, mes amis. On voit sur sa poitrine une lumière jaune. Mais cette lumière jaune, c'est marrant parce que, en fait, regardez très bien, fixez bien la carte. C'est une pièce de monnaie qui est en train de jaillir avec de la lumière. Et cette femme, elle tient une pièce de monnaie. On a un coffre là. Le message est triplement clair. Pour des personnes qui regardent cette guidance, certains poissons, évidemment, c'est une guidance générale. Je vous invite à avoir votre libre arbitre et garder l'esprit clair. Il y a des personnes ici qui vont sortir de cette contrainte financière et qui vont être soignés. Le guérisseur de tous les temps vient réparer vos poches, vient réparer votre coffre, vient remettre de l'abondance dans votre vie. D'accord? Chemin du temple ici, on vous parle ici avec ce chemin de temple, qu'il y a vos guides qui vous accompagnent avec ces petites lumières partout. Il y a des lucioles là qui vont vous guider. Sur tout ce que vous aviez comme indécision dernièrement, vous allez avoir le chemin, vous allez voir le chemin ici, entre le Christ et vos guides. Lien affectif, il y a un lien affectif qui vient à vous là. Et on vous dit que vous avez plusieurs possibilités. Le contrat, il y a des gens qui vont signer des contrats, c'est comme monter peut-être une entreprise. En tout cas, il y a quelque chose ici avec la justice.
soit contractuellement, soit quelque chose avec la justice ici, quelque chose qui va remettre la balance ici, l'équilibre. Homme réfléchi, un homme réfléchi qui vient dans votre vie là, c'est peut-être quelqu'un qui fait du magnétisme aussi, peut-être quelqu'un qui va vous aider à voir des idées claires ici. Soyez attentifs à tous ces messages de vos guides. Et derrière, on parle d'hostilité. Cette carte, quand elle apparaît, elle est en train de vous dire que, ami poisson, il y a des personnes qui ont été hostiles avec vous là. Cette carte, c'est aussi un avertissement, cette carte d'hostilité, dans le sens où on vous invite à ne plus accepter certains agissements de certaines personnes autour de vous. Cette carte, quand elle apparaît, c'est pour vous dire, quand l'univers vous envoie certaines épreuves, surtout des épreuves, on va dire des épreuves, j'ai de la crème entre les mains, des épreuves d'hostilité, c'est pour que vous appreniez à vous défendre aussi. Parce qu'à chaque fois que vous allez laisser les gens vous faire n'importe quoi, l'univers vous renverra les mêmes épreuves, sous une autre forme, bien entendu, des schémas répétitifs pour que vous appreniez la leçon et que vous puissiez vous défendre vous-même. Cette carte, ça veut dire « je n'accepte plus n'importe quoi ». Et d'ailleurs, avec l'as d'épée, on peut comprendre que quelqu'un est là pour se défendre aussi. Cette carte, on a deux fois l'épée, c'est pour que vous puissiez apprendre à vous défendre, ne plus accepter n'importe quoi venant des autres. Ça ne veut pas dire que vous devenez hostile, mais ça veut dire que les autres qui sont hostiles avec vous n'acceptent plus cette hostilité-là de leur part. Chaque fois que l'univers vous envoie des épreuves et que vous ne réagissez pas de manière appropriée, elle vous renverra les mêmes épreuves qui seront comme des schémas répétitifs dans votre vie. Alors, à chaque fois que vous verrez un schéma répétitif, essayez d'agir différemment de la première fois que vous avez agi. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Voilà, mes belles âmes. Donc, on rentre dans votre guidance comme tous les mois. Hein. Vous connaissez déjà un petit peu ma façon de faire. Là, c'est le sentimental. Ok, on a la route de la fortune là, c'est une très très belle carte. Arcane majeur, ça veut dire que là, il y a des personnes ici, sentimentalement parlant, il y a quelque chose qui est déjà placé avec l'univers qui va tourner. On peut avoir un cœur ici, ça peut nous rappeler encore la pierre du 4 rose. Si vous n'en avez pas une, je vous invite à en avoir une. Le 4 rose, on a la maison ici, l'amour, on a l'argent, d'accord? Ici, on a les guides, les anges, on a l'étoile ici, on a le soleil, on a l'alliance. Et on a l'enseignement qui peut parler également de la spiritualité, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est papesse, on va dire ça. D'accord? Clairement, on vous dit ici que les choses se mettent en place pour vous. La roue de la fortune, c'est quand l'univers décide de venir vous donner un coup de main sur quelque chose que peut-être vous avez bien travaillé et on vous félicite, on me dit. C'est un cadeau, c'est un bonus. Dans votre vie sentimentale, les choses se sont mises en place. Vous ne ressentez peut-être pas encore les choses, mais elles sont en train d'arriver. Dans votre vie professionnelle, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton ici nous dit que dans le passé, on a accepté peut-être certaines hostilités dans notre entourage professionnel, par notre patron, par nos salariés, par des collègues, par des choses, peut-être par un salaire qui était misérable, par un dur labeur ici. Cette carte nous parle de dur labeur pour finalement avoir très peu de rentabilité même parfois. Ça, c'est la fin de tout ça. C'est ça que ça veut dire cette carte. Cette carte, elle veut dire la fin de tout ça. Et on me donne un message en canalisation qui est très beau. Ici, cette carte de la roue de la fortune qui est placée dans votre vie sentimentale aujourd'hui, on a vu qu'on avait le cœur, on avait la maison, on avait l'argent qui peut faire parler également de tout ce qui est professionnel ici. Cette carte, puisqu'elle est positionnée dans votre vie sentimentale et sachant que l'amour, c'est l'énergie la plus élevée qui soit, c'est l'énergie la plus suprême. Et cette énergie-là, elle est dans tout ce qu'on fait, dans le travail, dans la famille, dans le relationnel. Ici, ce qu'on me dit, avec cette roue de la fortune, ça va émaner sur tout le reste. Ça va jaillir sur tout le reste. Donc, pour moi ici, ce que j'entends, c'est que la roue de la fortune ne tourne pas que pour l'amour. Je veux dire que pour votre vie sentimentale avec votre autre. On est là, oui, mais en même temps,
cet amour va rejaillir, comme on l'a dit, sur tout le reste. Et c'est pour ça aussi qu'en canalisation, on m'a dit tout à l'heure de vous dire, de vous munir d'un quartz rose, de le mettre sous votre oreiller. Et une fois que vous l'avez mis sous votre oreiller, vous pouvez le mettre dans votre sac, dans votre portefeuille, au chevet de votre lit. Pendant tout ce mois de novembre, ça va beaucoup vous aider. Et d'ailleurs, on le voit ici, on a un cœur rose ici. Et vous verrez les pierres. J'ai un quartz rose en forme de cœur. C'est marrant. Ici, c'est la fin de la misère, la fin des hostilités, la fin de la souffrance professionnelle. Ce mois de novembre, il y a des choses qui vont se manifester dans votre vie, ami poisson. Dans votre vie créative, nous avons la justice. La justice, quand elle apparaît dans un tirage, c'est un arcane majeur. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place par l'univers. Ça peut être la justice des hommes, mais ça peut également être la justice divine. Dans tous les cas, j'entends ici qu'il y a beaucoup de poissons, d'ailleurs, vous les poissons, signes d'eau, qui méditent et qui ont demandé des choses à l'univers. Si vous avez demandé, mis des intentions dernièrement, soit pendant une pleine lune, soit pendant une nouvelle lune, soit parce que vous êtes poisson et que vous avez l'habitude de travailler avec ces énergies christiques, et d'ailleurs, on vous dit que, on nous dit que le Christ est un signe de poisson. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il vienne aujourd'hui vous guérir par rapport à tout ce que vous avez traversé. Et on vous dit le guérisseur de tous les temps. Moi, j'entends aussi ici avec ça, je vais guérir tous tes maux, tous les temps, tous les maux, professionnels, sentimentaux, etc. Avec la justice dans votre vie créative, il y a quelque chose qui n'était pas en ordre. Il y a quelque chose qui était instable, que l'univers remet en place. Et ça ne m'étonne pas encore une fois parce qu'on a l'amour en position de vie sentimentale et comme on l'a dit, ça va rejaillir sur tout le reste. Donc ici, dans la justice de mois-ci, dans la créativité ce mois-ci, il y a quelque chose que vous avez mis en place, peut-être un projet, peut-être un produit, peut-être vous voulez créer un foyer, une famille. L'univers va vous apporter cet équilibre-là, ici. Quel que soit le domaine dans lequel vous créez quelque chose dans votre vie créative, il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va être régulé, qui était bancal, qui n'était pas approprié, qui n'était pas où vous vouliez qu'il soit. On va le remettre à sa place. Et oui, c'est ce qu'on me donne comme message. Dans votre vie spirituelle, nous avons, waouh, le 9 de Pentacle. Regardez cette carte, mes amis. Regardez-la comme elle est magnifique. L'abondance, la sérénité. Cette femme est apaisée. Elle est sous un arbre qui porte plein de fruits. Sous un arbre fruitier et autour, il y a de la verdure. Elle prend un verre de vino là. Et peut-être ce sont des olives, je ne sais pas, des fruits. Et là, sa baguette magique là et son chapeau de sorcière. En gros, et là, elle étudie, elle apprend quelque chose ici. Elle lit, elle s'instruit. Et sa robe a des feuillages qui grimpent comme ça. Et ses chaussures sont de couleur orange et dorée. Et ses cheveux sont de couleur noire et rouge. Le noir, c'est la protection. Le rouge, c'est le combat. Ce que je peux comprendre, son livre est de couleur bleue. Chakra de la communication. Ce que je peux comprendre ici, c'est que là maintenant, dans votre vie spirituelle, vous avez atteint l'abondance, mes amis poissons. Vous avez atteint l'abondance parce que vous avez combattu. On peut voir ce rouge-là, ce rouge sang-là qui peut ressembler au sang du Christ aussi, encore une fois, qui vient vous aider. Cette protection des guides, mais cette force également. Et avec le vin rouge, on peut aussi parler du vin rouge. Tenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ici, vous avez vraiment l'aide du Christ dans l'abondance ce mois. Dans l'abondance ce mois, mes amis poissons, vous allez vous démarquer. Car le 9 de Pentacle, c'est une carte qui est une carte magnifique dans tous les domaines. Et comme la spiritualité... La spiritualité, elle,
exercent dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le sens mental, dans le besoin spirituel, dans le travail professionnel, dans le relationnel, on a besoin de sa spiritualité. On est d'abord des êtres spirituels avant d'être des êtres charnels. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette carte, avec celle-ci, le guérisseur de tous les temps et le 9 de pentacle dans la vie spirituelle, les deux cartes-là ont fait votre tirage. Ça y est, vous êtes accompli ce mois-ci. Et si vous n'avez pas encore l'impression de voir les choses, c'est peut-être une prédiction ici. C'est quelque chose de prophétique, ça arrive. Regardez la poitrine du Christ qui vient vous parler, comme la lumière est jaillie. Et sur les deux piliers, on a le feu du Saint-Esprit qui brûle en vous et qui désormais apporte la lumière dans votre vie. Toute cette belle couleur. Le 9 des Pentacles, c'est une carte qui vous parle d'abondance dans tous les domaines. Je voulais terminer avec ça. Dans tous les domaines. Sentimentalement, professionnellement, spirituellement, socialement, dans tous les domaines. Si vous avez demandé des choses à l'univers, ça y est, c'est le moment. Je dis merci pour vous, amis poissons, parce que franchement, les deux cartes ont fait votre tirage. Je ne sais pas ce qui vient après, mais là, ces deux cartes-là, pour moi, c'est le summum. Le 9 de Pentacle dans la vie spirituelle et le guérisseur de tous les temps dans le Christ, avec tout ce qu'on a eu là. Pour l'instant, c'est un sans faute. Je dis merci, merci pour les amis poissons. Et derrière, on a le chemin du temple avec les guides. Ok, rien que ça, continuons. Dans votre leçon de vie ce mois, le page d'épée. Le prince d'épée nous parle d'apprentissage, de nouveau départ. Vous avez appris que pour évoluer, il faut apprendre. Il faut se donner du mal. Il faut s'exercer également. Comme cette femme qui se documente. Rien ne vient comme ça. Vous avez pris le temps. Vous avez été faire vos apprentissages. Vous avez travaillé. Même si parfois c'était un peu messy, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de désordre, mais vous avez pu acquérir des nouvelles connaissances et des nouvelles compétences. Ça, c'est votre leçon de ce mois. Vous avez appris. Et peut-être même encore, il y en a qui ont continué à faire des apprentissages. Donc cette carte, il y a encore des choses qui s'apprennent là, qu'on apprend. Et on a envie, avec ce page, c'est une énergie de jeûne. Peut-être que vous apprenez quelque chose de nouveau, qui est peut-être pour des personnes plus jeunes que vous, mais vous y allez parce que vous avez cette volonté, cette foi. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sont mises à travailler peut-être avec Instagram, YouTube, tout ce qui est réseaux sociaux, qui apprennent peut-être à monter un site, qui veulent peut-être monter une chaîne également, et qu'avant, pour eux, c'était comme si c'était sorcier. Hein? Eh oui, avec la baguette du sorcier, c'était comme si c'était sorcier, mais ça y est, on décide, on se dit, c'est le nouveau monde, je vais y apprendre, je vais l'apprendre, je vais le connaître, je veux le savoir, j'ai besoin de savoir. Peut-être c'est un autre domaine, vous mettrez en fonction de votre situation, amis poissons. Mais ici, la leçon de ce mois, c'est l'apprentissage et le nouveau départ. On a appris, on veut partir de nouveau avec de nouvelles compétences. L'enfant intérieur, ce mois-ci, à mes poissons, le 10 d'épée. On a vu la jalousie tout à l'heure. Oui, on a vu la jalousie tout à l'heure. On a vu les contraintes financières également. On a vu l'hostilité également, d'accord, des autres envers nous. On a vu le repos également et le ressourcement. Le 10 d'épée, c'est tout ce qui est dans le mental. Tout ce qui va être dans la souffrance psychologique. Il y a des personnes ici qui ont manqué de sommeil, qui ont été... Comme une dépression, comme quelque chose qu'on n'arrive pas, on ne sait pas comment gérer. Up and down, ça a été compliqué pour vous. Vous avez pris des épées là, ça a été douloureux. Allez voir votre signe ascendant, s'il vous plaît, mes belles âmes. Allez voir votre signe lunaire également et croisez des informations. Et parfois, le signe ascendant, le signe lunaire à partir d'un certain âge, il est plus parlant. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire.
Ça vous apportera quelque chose de beaucoup plus complet. Et bien sûr, si vous voulez une guidance personnalisée, privée, je vous répondrai comme d'habitude. Ici, amis poissons, on a une situation qui s'arrête. La bonne nouvelle, c'est la fin. Avec ses corbeaux, ses jalousies, ses médisances. Regardez, il y a le soleil derrière qui arrive. Votre soleil apparaît désormais. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a des personnes qui ont un chat ici. Regardez quelqu'un qui est venu vous planter ces épis-là. Cette personne, votre chat, les chats attirent les anges. Alors qu'on va vous dire que les chiens, c'est les gardiens de l'enfer. Les chats, quand vous avez un chat dans la maison, il attire les anges. Et le chien, en fait, le chien, il garde. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas laisser le chien dans la maison, de le mettre dans le jardin. Après, bon, les gens qui habitent sur Paris comme moi, ils n'ont pas trop le choix. Mais le chien, il va garder. C'est les gardiens de l'enfer pour pas que les gens qui ont fait du mal sortent de l'enfer. Et il ne laisserait personne rentrer. Parce que si vous êtes puni, vous restez là-dedans et il vous garde. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'enfer, vous qui avez un chien. Mais il vous garde aussi contre le mal qui peut venir à vous. Il laisse personne rentrer, le chien. Or, les chats vont laisser rentrer les anges. Donc, pour moi ici, il y a des personnes ici, sur cette guidance, qui sont pris des épées. Et peut-être que vous avez acquéri un chat, peut-être, qui est arrivé et qui a chassé ces énergies négatives. On voit quelqu'un qui est venu ici et qui a mis une cape rouge pour aller vous perforer jusqu'à 100. Et pourtant, il vous a perforé, mais il n'y a pas de sang. Il y a d'autres cas où on voit du sang. On vous dit que c'est la fin de vos souffrances ici. Cette personne, elle repart en courant. Regardez, elle repart en courant. Elle ne repart pas en marchant, elle repart en courant. En fait, cette carte, elle vous dit aussi, quand il arrive, le maître de tous les temps, le guérisseur de tous les temps, ceux qui sont rentrés chez vous là, pour vous faire du mal, ils sont rentrés par une porte. Mais quand ils repartent par cette porte. Par cette, parce qu'il les pulvérise, lui. Le guérisseur de tous les temps, le Christ, il les pulvérise. Eh oui. Et là, il n'est pas venu tout seul. Il pourrait. Mais il a voulu venir avec son armée. Le chemin du temple, c'est les guides aussi. Ce sont les anges. L'armée divine, en fait, qui est avec lui là. Il n'est pas tout seul. Donc, sachez que si vous étiez à terre, ça y est, c'est la fin. C'est fini, amis poissons. On vient vous relever de cette souffrance, de ces corbeaux, de cette contrainte financière. Ça y est, c'est terminé, amis poissons. Quelle belle guidance, quel beau message. Ici, la prochaine carte, elle nous parle de vos peurs. Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? On va le découvrir ensemble. Vous avez peur de retrouver cette autonomie. Le 10 des pentacles, c'est l'abondance, c'est l'autonomie. C'est cette stabilité. Regardez cette famille, comme elle est heureuse. Vous avez peur, mais en même temps, vous avez envie, puisque c'est ce que vous aspirez. Vous aspirez à ça. De retrouver une maison avec de l'harmonie, avec de l'amour, avec vos enfants, peut-être vos petits-enfants, peut-être votre mari, peut-être de créer quelque chose, votre chien, vos chats. Ici, je vois ici des grappes de raisin violettes. Avec ça, on peut vous inviter à voir peut-être aussi la pierre améthyste, l'améthyste. Cette améthyste-là. Les deux apaisent et apportent, diffusent une énergie apaisante dans la maison. N'hésitez pas à vous procurer des pierres, l'améthyste et le quartz rose comme moi. Regardez. Et d'ailleurs, je vous fais une petite confidence. Je suis poisson. Et je n'ai pas fait espoir de porter ça. Je n'attendais pas ce message. Je suis poisson et je les porte.
Donc, c'est peut-être un message pour vous aussi. Ici, n'ayez pas peur. Parce que là, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez vos guides avec vous. Et on vous dit, ils sont venus pour vous apaiser. Et ils vont vous guider ce qu'il y a lieu de faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas que là qu'on a du violet. On en a là également tout autour. Donc, peut-être qu'on vous conseille d'avoir cette pierre pour vous, mais également pour vos enfants. On peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 grappes ici. D'accord? Ouais. Je vois cette famille, le papa, la maman, les deux grands. Ce sont 4, 5. Peut-être 5 et puis une sixième pierre pour la maison. Et peut-être pour vos animaux aussi de compagnie. Ça dépend si vous avez une famille nombreuse, mais en fonction de ce que, comment vous êtes, on vous demande, on vous conseille de vous procurer des pierres ici. Ensuite, la décision du mois, qu'est-ce qu'on va avoir? Le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ici, c'est juste avant le 10. Ça, c'est l'état dans lequel vous êtes encore dans les angoisses. Dans ce messie-messie-là. Parce que vous avez été trahi, parce que vous réfléchissez, vous vous posez des questions. Peut-être que vous voulez apprendre un métier. Vous voulez peut-être vous reformer. Vous avez des angoisses, vous avez peur de mettre votre projet en place ici. Alors que la leçon du mois, c'est le nouveau départ. Et l'enfant intérieur, c'est la fin. L'enfant intérieur, lui, sait avant qu'on ne sache déjà. Nous, dans la matière, dans le conscient, lui, il est déjà au courant dans le subconscient. D'accord? Et nous, dans le conscient, voilà comment on est. On a encore à se faire du souci, mais l'enfant intérieur, lui, il est déjà au courant que c'est la fin. Donc, en fin de mois, on va être dans l'énergie de 9 d'épée. 9 d'épée qui nous dit, qui nous parle encore de souffrance, d'angoisse, de manque de sommeil. Cette carte, elle vous dit que vous vous levez la nuit, vous essayez de faire des choses, mais vous n'avez pas compris que la nuit, c'est fait pour dormir, parce que vous n'arrivez pas à dormir. Regardez votre chat qui vient là, ou peut-être votre petit chien qui vous dit, tout va bien, parce que l'enfant intérieur, il a déjà compris que c'est la fin. Mais vous, ça met du temps à rentrer, à arriver dans le conscient. Et du coup, vous êtes encore dans cet état-là. Peut-être pour certains, j'espère que cette guidance va vous aider à comprendre de lâcher prise et de peut-être dormir désormais parce que vous ne pouvez rien contrôler là. Les choses sont déjà mises en place. L'univers s'en occupe. Il est là. Le guérisseur de tous les temps est là avec vous. Et vos guides également sont là, chemin du temple. Sur les indécisions que vous aviez dans le passé, puisqu'on a des indécisions ici, il y a peut-être des gens qui avaient des indécisions par rapport à un lien affectif. Et pourtant, on vous dit que vous avez des possibilités. Il y a des possibilités adjacentes ici. Il y a plusieurs possibilités. Il y a un contrat, par rapport à un contrat peut-être aussi, par rapport à un homme qui rentre dans votre vie, qui est un homme réfléchi. On vous dit aussi d'apprécier désormais ce que vous avez. Apprécier. Cette carte d'appréciation, cette femme-là, qui est au milieu des bourgeons. Et pourtant, derrière, il y a des fleurs qui commencent à fleurir là derrière. Il y a un bourgeon qui fleurit là. Alors que là, il y a des ronces qui sont mortes. Et elle tient au milieu de ces ronces-là une rose, une fleur rose, toute fraîche, qu'elle a pu prendre là. Alors que tout autour, c'est que des ronces, c'est mort. Comme notre temps en ce moment, l'automne qui fait tomber des feuilles, elle est là et elle continue à avoir de l'espoir. On vous demande de rester comme cette femme, d'apprécier ce qu'il y a à vous aujourd'hui, ce que vous avez, car le meilleur est à venir pour vous. On a vu la route de la fortune. Il y a peut-être des personnes qui vont voyager là, ou qui avaient prévu de voyager. On a des gens ici qui ont été dans la tromperie, qui ont vécu des trahisons. Mais on vous dit que vous avez une porte ouverte vers la guérison désormais, personnelle et vers le bonheur. Guérison personnelle et le bonheur. Viens à vous. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes dans les bonnes mains. Vous avez ce qu'il faut. Il y a un lien affectif où on avait de l'indécision. Mais cette indécision-là va être très vite éclairée. C'est peut-être pour ça qu'on a le 10 des pentacles ici dans les peurs.
ouais, par rapport à une famille, par rapport à une indécision qu'on avait. Allons-y, mes amis. Excusez-moi. C'est une belle guidance, hein, amis poissons. Fin de mois, peut-être qu'on sera encore dans des énergies de peur, mais on vous dit c'est bon, c'est fini. C'est la fin, là, avec le 10 d'épée. Parce qu'il y a une justice qui vient à vous, là. Une justice divine, une justice des hommes pour certains. Par rapport à votre vie créative, par rapport à ce que vous êtes en train de créer, qui vous a mis dans cet état, là, bien entendu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Moi, je suis ok. Je suis ok avec ça. Merci, guide. Merci beaucoup. Merci pour mes amis poissons qui regardent cette vidéo. Merci beaucoup. S'il vous plaît, les messages pour les poissons. S'il vous plaît, les messages pour les poissons. S'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Ok. Allez voir votre signe ascendant, mes belles âmes. Il y a des belles choses qui viennent à vous, en tout cas. Il y a des magnifiques choses. Waouh. Le chariot. Merci, mes guides. Merci, les guides. Merci, merci, merci. Continue. Il y a vraiment des manifestations ce mois de novembre. Des belles... Waouh. Oh my goodness. Oh my goodness. Ok. Bah écoutez, amis poissons, moi je ne sais plus quoi vous dire parce que là, il n'y a que des choses magnifiques. Hein. Que des choses magnifiques. Hein. Est-ce que je ne les mets pas par là? Je les mets là parce que si vous voulez regarder de plus près, vous pouvez voir les deux côtés. Hein. Alors, pour finir votre guidance avec cette extension que je viens de vous mettre en place, vous allez comprendre, mes amis. Je vais aller pas à pas. Pas à pas, parce que c'est juste un truc de fou, là, ce que je vois. C'est fou, ce que je vois. C'est un mois de révolution pour vous. C'est un mois de révolution. J'ai souvent dit, quand il y a des guidances comme ça, ne me dites pas, ben, c'est pas encore arrivé. Prenez-le, parce que c'est... Je vous ai dit depuis le départ de cette chaîne, vous qui me suivez depuis le départ, que j'ai des dons prophétiques. D'accord? Je ne suis pas voyante, j'ai des dons prophétiques. Donc, il y a des messages qui vont être plus de la prophétie pour vous que de la guidance simple, comme on peut l'appeler sur les réseaux sociaux. J'ai des dons prophétiques. Ce message vous dit qu'il y a quelque chose qui va se manifester dans votre vie, amis poissons. C'est révolutionnaire pour vous. Alors, regardez. Avec votre vie sentimentale, vous allez tourner le dos à une situation avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous dit qu'on quitte quelque chose qui n'avait plus lieu d'être. Et on va vers d'autres contrées, vers un nouveau projet, vers une nouvelle situation, vers un nouveau couple, vers une nouvelle maison, comme on l'a vu tout à l'heure, qui nous fait peur. Vers une nouvelle, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle façon de vivre, quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que vous étiez avant. Ça y est, on a tourné le dos. Il y a encore quelques petites montagnes qu'on peut voir ici, mais que vous allez gravir sans problème parce que vous avez le guérisseur de tous les temps. Cette carte qui est là, ce guérisseur de tous les temps qui est là pour vous, mes amis poissons. Ayez la foi, ayez foi en ce que l'univers vous apporte parce que vous avez demandé. Alors, c'est bien de mettre des intentions, mais c'est bien aussi de croire que l'univers écoute. L'univers a des oreilles. L'univers comprend quand vous lui demandez des choses. Et là, excusez-moi du peu, mais ce n'est pas n'importe qui s'est manifesté, qui vous a écouté et qui va vous apporter la solution et son soutien. C'est le Christ. Donc, on est d'accord qu'on tourne le dos et on avance avec la roue de la fortune, comme des chapeaux de roue. Dans votre vie professionnelle, d'accord? Moi, j'aime bien les mettre comme ça de temps en temps. Ça, c'est un peu pas évident. Hein? On va y arriver. Let's go. Please, 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 come on. Ok. Voilà. On va y arriver. Comme ça, au moins, quand on a lu déjà une, on peut avancer avec les autres. Dans votre vie professionnelle, on avait vu qu'il y avait une lourdeur, qu'il y avait quelque chose qui était difficile. C'était un fardeau pour vous, vous n'en pouviez plus. Peut-être qu'un dur labeur, un travail qui n'avait pas de rémunération comme il fallait, vous avez travaillé dur, vous avez mis les choses en place, il n'y avait pas de rentabilité, il n'y avait pas de retour sur investissement, vous en aviez marre. C'était
enough, j'en peux plus. Il y a des gens ici qui ont porté cette situation pendant longtemps. Et regardez comme cette personne, ce qu'on peut me dire là, c'est que non seulement vous avez porté le professionnel, mais vous portiez peut-être encore d'autres choses. Des animaux de compagnie avec vous, votre famille. Vous aviez d'autres poids qui étaient sur votre dos. Pas que le professionnel ici. Ce qui fait que c'était trop lourd, on n'en peut plus. Mais quand vous êtes un signe d'eau avec beaucoup d'intuition et que vous avez cette force que vous puisez, les signes d'eau qui puisent cette force également dans l'énergie christique, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez croyant ou pas, c'est une énergie. On vous dit que le Christ, c'est un signe d'eau. Il est du signe du poisson, c'est ce qu'on dit. Donc, si vous émanez de cette énergie-là, il est à côté de vous tout le temps. Donc, il y a des gens ici qui ont été dans la résilience, qui vont nager à contre-sens, à contre-courant. Ils ne lâcheront pas jusqu'à ce qu'ils se noient. Mais quand ils voient que vous commencez à vraiment, que c'est trop lourd, que vous commencez à plonger, mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour vous sortir la tête de l'eau. Et là, il n'y a pas que la tête qui sort de l'eau. Puisque dans votre vie professionnelle, mes amis poissons, regardez qui on a. On a un empereur ici, cette carte. L'empereur. Est-ce que c'est la peine que je la lève? Non, je ne pense pas parce que vous la voyez très bien. On a l'empereur. Donc, on quitte de la lourdeur. On n'est même pas passé par le page, même pas par le cavalier. On n'est même pas par le roi. On passe par l'empereur directement. Un bond de ouf, comme disent les jeunes. Waouh! C'est son énergie à lui qui vous apporte. L'empereur, prochainement, on quitte du 10 de bâton pour aller vers l'empereur. Et ensuite, ami poisson, sur votre vie créative, on avait la justice, on est d'accord. Les choses qui doivent se rééquilibrer, qui étaient bancales. On a un cavalier, de pentacle. Dans la vie créative, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Cette carte, quand elle arrive, elle se manifeste. Ça veut dire que les choses sont en train d'avancer puisqu'on a un beau soleil derrière quand même. C'est un peu lent parce que le chevalier de pentacle, il est méthodique. Il prend son temps. C'est lent encore. Il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place ici dans votre vie créative. Peut-être que vous créez un projet. Vous montez peut-être une chaîne aussi. Vous avez peut-être monté une entreprise. C'est en train de prendre forme. Et on vous dit que c'est la justice également divine qui vient rééquilibrer ces choses. Parce que lui, quand je le vois, le Christ, apparaître dans un tirage, pour moi, c'est la justice divine. Il vient mettre ses mains comme ça et vous dit, je suis là. Ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. Ça, c'est Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, il était dit. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place par l'univers. Ils prennent le temps parce qu'ils veulent que vous maîtrisez les choses. Et d'ailleurs, vous êtes en train d'apprendre des choses ici, avec le piège d'épée. Si ce n'est pas le cas, ça va se manifester. Et vous apprenez quelque chose qui vous apporte beaucoup d'amour. C'est ce que je vois. Et avec votre vie spirituelle, excusez-moi du peu, hein, mais on a le roi, on a l'empereur ici dans le professionnel, et on a l'empereur également dans la vie spirituelle. On a l'impératrice, pardon. On a juste le couple d'empereur et d'impératrice. Est-ce que vous imaginez l'abondance de cette femme? Regardez-la comme elle est généreuse. L'impératrice dans la vie spirituelle. C'est comme si vous aviez ces deux cartes-là, la papesse dans la vie spirituelle et l'impératrice. C'est presque la même chose puisque le 9 de pentacle, c'est vraiment l'abondance dans tous les domaines. Donc, spirituellement parlant, vous êtes aujourd'hui aguerri. Vous êtes aujourd'hui assis. Vous avez compris plein de choses. D'ailleurs, on a l'as d'épée. On a vu clair dans beaucoup de choses. On a compris. Et derrière l'as d'épée, on a le monde. Hein. On a le monde. Et derrière le monde, on a un cavalier,
un cavalier de coupe, quelqu'un qui vous apporte sa coupe, quelqu'un de peut-être plus jeune que vous, ou c'est un amour naissant qui vous apporte sa coupe ici, donc dans le domaine sentimental, bien entendu. Dans la leçon de vie, j'espère que jusque-là, ça va, parce que, excusez-moi du peu, mais on a juste 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, hein, pour 4 cartes. Hein. Chaque palier ici a un arcane majeur, et pas les moindres. C'est pour ça que je vous ai dit que ce mois, c'est un mois révolutionnaire pour vous, les amis poissons. Je pense que beaucoup de mes consoeurs aimeraient avoir une guidance comme ça, au moins une fois par an, sur un signe. Et là, ce mois-ci, c'est juste mais magique. Magique. On continue. Chaque carte a un arcane majeur. Vous ne pouvez pas faire mieux. On arrive ici, dans la leçon de vie, comme on a dit, avec cette formation, avec ce nouveau projet. Vous avez appris, vous avez compris. On ne va pas répéter. On continue. Vous avez compris et vous faites quelque chose ici avec amour. Avec la reine de coupe ici, ce qu'on peut me dire, c'est que ce que vous apprenez aujourd'hui, vous l'apprenez et ça vous apporte beaucoup d'amour. Vous le faites avec beaucoup d'amour. Vous donnez votre amour, vous donnez de l'amour dans ce que vous faites parce que vous aimez ça. Et l'enfant intérieur, au-delà de votre souffrance psychologique, parce que le 10 d'épée, c'est beaucoup dans le mental, c'est la souffrance. C'est la dépression, c'est on n'en peut plus, c'est fatigant mentalement parlant. Non seulement physiquement, c'est lourd, dans les poches, c'est lourd, ici, dans le professionnel, mais également dans l'enfant intérieur, le mental. C'est-à-dire que vous étiez dans les deux énergies les plus somatiques, aussi bien physiquement que psychologiquement. Le 10 de bâton et le 10 d'épée. Vous avez vraiment été mis en sandwich, et d'ailleurs... Je viens de mettre la carte du Christ sans le faire exprès au milieu. C'est-à-dire que ces deux énergies vont être absorbées par le Christ, par son feu du Saint-Esprit et par ses deux mains. Il va les absorber pour vous apporter la victoire, l'amour, la force. Regardez ce qu'on a. Avec cette carte de faim, de dépression, de faim, de manque de sommeil, de faim, d'angoisse, de faim, de se poser des questions qui tournent le petit volet dans la tête toute la nuit, le chariot. Le chariot nous dit ici, ça y est, on s'envole. Il n'y a que du jaune là. Vous avez vu les cartes? Le vert, les oiseaux, le jaune. Et là, on peut parler de victoire. Vous avez eu la victoire sur vos ennemis. Vous avez eu la victoire sur vos finances qui étaient en berne ici avec le contrat, les contraintes financières. Ça y est, on voit bien dans la vie professionnelle qu'on devient un empereur. Donc ici, on vous dit, vous avez... Le triomphe, surtout, on l'a vu avec la nef de Pentacle ici, sur tous les domaines. D'accord? La seule chose qui prend encore un peu de temps, c'est la vie créative. Peut-être que ce que vous créez va prendre encore un peu de temps parce que c'est méthodique. Vous devez faire des choses de manière méthodique. Ça prend un peu de temps, mais ça vient. Puisqu'on vous parle de justice divine encore une fois. Donc, apaisez votre cœur. Et là, avec la carte du Christ, on peut voir le chiffre 51. Si on additionne les deux chiffres, ça parle d'amour. Donc ici, on vous dit, même dans le sentimental, les choses vont se remettre en place parce que le 6, c'est aussi les amoureux. On continue. Donc ici, c'est la victoire. L'enfant intérieur sait que ça y est. Lui, il le sait déjà, l'enfant intérieur, parce qu'il a la guidance intérieure du Christ, des guides. Il le sait déjà que ça y est, il a décollé. Plus rien ne peut l'attraper. Vous le savez. Dans votre fort intérieur, votre guidance intérieure, votre lumière intérieure. Je me répète, hein, mais vous avez compris. Dans vos peurs, vous avez peur de repartir sur cette construction de famille, peut-être pour certains, peut-être que c'est un recommencement. Si ce n'est pas un recommencement, c'est peut-être des gens qui avaient peut-être eu dans le passé des problèmes avec leurs parents, la famille, c'était compliqué. Ils avaient peur de peut-être construire une famille. Ils avaient peut-être peur de l'image de la famille, que peut-être que parce que eux, ce qu'ils ont vécu, ils ont peur de reproduire la même chose. On vous dit non. Et si vous êtes quelqu'un qui est en train de divorcer, on vous dit qu'il y a un nouveau départ ici, de ne pas avoir peur parce que c'est une nouvelle vie qui va commencer pour vous. Tout ce qui vient à vous, là, c'est tout nouveau. On vous demande ici, on vous recommande ici le 4 rose comme pierre. C'est ce que j'entends là. Le 4 rose comme pierre pour apaiser vos peurs. Et en extension, vous avez le magicien.
On a parlé de magicien tout à l'heure, de tous les temps, le guérisseur de tous les temps. Le magicien ici va venir. Peut-être qu'aussi on vous invite à faire un magnétisme ici avec quelqu'un qui est magnétiseur, comme moi, comme Nicolas. Vous pouvez faire appel à notre don de magnétiseur pour vous aider à réaligner des chakras et à lever, à remettre l'ancrage ici. Parce que là, j'ai quand même le 4 de bâton qui nous parle de stabilité, d'ancrage. Et derrière, le jugement. Encore une arcane majeure, même sur le dos de deck, on a l'arcane majeure. Ici, arcane majeure, arcane majeure, arcane majeure ici, et arcane majeure encore là. Le jugement, c'est quand l'univers vient, vous dit que ça y est, c'est fini. On a l'impression que c'est l'archange Gabriel ici qui apparaît pour venir remettre également votre chakra du plexus solaire ici en place avec cette lumière, ce jaune-là. Ce que j'entends ici, il y a un besoin d'ancrage pour certaines personnes. Il y a un enfant ici. Peut-être c'est votre enfant. Peut-être c'est votre enfant intérieur. Peut-être c'est un neveu. Il y a une jeune personne ici. Ça peut être un garçon pour certains. Mais ça peut aussi être une fille qui a des énergies peut-être assez masculines. On vous dit si cet enfant a besoin de vous, a besoin de votre aide ici. Peut-être cet enfant a besoin d'avoir peut-être une pierre pour lui remettre l'ancrage. Parce qu'il est peut-être désancré ici. D'accord? Oui. Il y a besoin de quelque chose là pour un enfant. Cet enfant est habillé en bleu. J'entends ici, le chakra de la communication est assez, a besoin de se réaligner ici. Peut-être cet enfant a du mal à communiquer, a du mal à dire les choses. C'est un enfant jeune. Peut-être pour certains, c'est un garçon. On parle de jugement là et on parle également de stabilité avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité. On vient vous aider à remettre l'ancrage, la stabilité. Quand on vous donne les messages, que ce soit les messages en canalisation, que ce soit les messages prophétiques, et quand on vous donne également les clés pour pouvoir mettre les choses en place, il y a plusieurs thérapies. Il y a la thérapie qu'on peut aller voir un psychologue, il y a la lithothérapie, il y a tout ce qui va être magnétisme et exorcisme aussi pour certains, ça vient de sortir. Ça veut dire que peut-être il y a des personnes qui ont besoin d'exorcisme ici, qui ont peut-être été pendant longtemps habitées avec des énergies tierces qui s'enfuient aujourd'hui ou qui vont s'enfuir. C'est ce qu'on me dit là. Par cette énergie christique qui vient à vous, utilisez peut-être la lithothérapie ici pour pouvoir enlever certaines choses qui étaient ancrées dans votre maison peut-être ici. Il y a des pierres qui chassent des énergies. Mais il y a des gens qui vont se libérer de certaines énergies-là, qui sont en train de partir. Une fois que ces énergies partent, on vous invite à faire un nettoyage, à vous purifier ici et à remettre maintenant peut-être des pierres autour de votre maison ou dans votre appartement pour pouvoir chasser toutes ces énergies négatives. N'oubliez pas que les pierres font partie, même le chapelet, ce sont des pierres. Même... Je disais l'autre jour à une de mes clientes que quand vous faites le coup, priez le courant, c'est pas, ça ne s'appelle pas chapelet, je n'ai pas le nom, excusez-moi, mais ce sont des pierres. Il n'y a pas de hasard. Les pierres, ce n'est pas, c'est pas une espèce de magie, c'est comme si vous prenez un doliprane, sauf que là, c'est autre chose qui est dans l'énergie, qui a des puissances, parce que les pierres, c'est fait de terre, d'air, d'eau et de le quatrième élément, la terre, l'eau, le vent et je perds l'autre élément. Et le feu. Ces pierres, elles sont faites de quatre éléments. Ici, on peut voir sur la poitrine du Christ ici, cette énergie de lumière. Et on peut voir, c'est comme du feu ici, qu'il émane du feu. On a le feu en nous. On a la terre en nous, on a l'air en nous. On a l'eau à 70% en nous. On peut voir le feu ici autour de lui. On a les pierres derrière, une bâtisse avec la pierre. Ce qu'on me dit ici, en canalisation, d'ailleurs aujourd'hui j'ai des ongles qui sont en forme de terre, c'est que la lithothérapie va vous permettre, va vous aider à vous éloigner de ces énergies de corbeau et à vous ancrer dans la matière. Dans la terre, dans Gaïa. Et on vous invite également à aller marcher dans la forêt
et à vous ancrer, pour certains qui peuvent, dans la terre, parce qu'on a besoin d'ancrage ici, avec nos quatre de bâton. Alors, pour certains qui sont encore dans les peurs ici, on vous dit que vous êtes votre propre magicien. Le Christ va vous donner cette force-là, que vous soyez chrétien ou pas. Hein. Le Christ est un maître ascensionné, peu importe votre religion. Ici, on a le magicien. Et d'ailleurs, je vous ai toujours dit, je ne m'appelle pas Marie Fatma pour rien. Mon papa est musulman, ma maman est chrétienne. Donc, il n'y a pas de religion là-haut. La seule religion qui existe là-haut, c'est l'amour. Et c'est l'amour qui émane tout le reste. L'amour jaillit dans tout le reste. C'est ce que je vous ai dit en début de guidance. Donc, avec le magicien, on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez reprendre votre force ici. Et vous allez pouvoir ascensionner de manière différente et lucide avec l'as de pentacle pour aller vers un nouveau monde qui vous appartient à vous, qui est le vôtre, que vous allez créer désormais. Vous n'avez plus besoin de personne parce que vous avez celui qu'il vous faut avec vous. D'accord? En décision fin de mois, avec le 9 d'épée, regardez ce qu'on a. On a les amoureux, des lovers. Les amoureux sont là. Vous êtes triste par rapport à cet amour? Ça y est, on vous redonne l'amour ici. C'est ce qu'on vous dit. Personne ne peut vivre sans amour. Si on nous mène une boutique demain, on vous dit que ben, si vous allez là-bas, vous allez acheter l'amour. Vous aurez la queue plus que dans les boulangeries. Je vous promets. Chacun va aller faire la queue pour acheter un peu d'amour. Mais ça ne s'achète pas l'amour. Donc on vous dit de quitter cette énergie du 9 d'épée ici où vous êtes triste, vous ne dormez pas. Regardez cet oiseau rose là qui vient vous dire que je suis là. Et même ce mur où il y a des épées, il est rose. Ça veut dire que vous avez l'amour autour de vous, vous ne le voyez peut-être pas. Même vos livres sont roses. Peut-être que vous avez des enfants qui vous apportent de l'amour, vous ne le voyez pas. Même sur votre lit, on a un peu de rose ici. Et cet oiseau également est rose. Et il regarde vers la lumière, vers le soleil. Et le ciel même est presque déjà rose. Il y a du jaune, il y a du rose. Moi, ce que j'entends encore là, c'est le quartz rose. Utilisez la pierre quartz rose ici et l'améthyste pour apaiser votre cœur et retrouver cet amour qui a l'air triste aujourd'hui, qui a l'air meurtri aujourd'hui, mais qui va revenir. On peut voir ces deux amoureux ici. On voit, c'est comme un vieux couple qui s'aiment toujours. Ils sont avec leur chien et ils sont sous une haie ici de fleurs qui fleurit. Ces jolies fleurs roses. Encore une fois, on est dans beaucoup de roses. Et c'est des personnes qui sont habillées comme regardez, on dirait la couleur de mes ongles. Couleur automnale ici. Donc moi, encore une fois, on me dit cet automne, vous allez voir la vie en rose, amis poissons. Merci, mes guides. Merci d'avoir écouté cette guidance, amis poissons, jusqu'au bout. J'espère en tout cas que vous avez compris le sens de votre message. Et je reviens avec ces premières cartes. Ne restez pas figés sur cette jalousie. Reposez-vous, ressourcez-vous et entourez-vous de cet amour. Et on vous invite à avoir un croître rose comme ça avec vous, encore une fois. Merci. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Que l'amour déborde dans votre vie et inonde votre cœur. Que vos souhaits se réalisent et que vous entrez dans la fin d'année avec force, vigueur et légèreté pour aller vers la nouvelle année et devenir cet empereur qu'on vous a prédit. Merci à mes poissons. Je vous embrasse, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous. À bientôt.